Elle est la reine de la pop et de la variété en Iran et elle s'engage. Gougouche vient de sortir une vidéo pour soutenir la communauté gay et lesbienne de ce pays. Ce geste de la part d'une des plus grandes artistes en exil a suscité des vagues dans la République islamique, un pays où l'homosexualité est tabou et condamnée. Sa chanson évoque un amour interdit entre deux filles. La vidéo a été réalisée par Navid Arhavan. Pendant les premières 24 heures, la vidéo s'est retrouvée sur des sites perses et il y a eu plus d'un demi-million de vues. Cela montre bien que ce sujet, enfin, quel que soit votre avis, ce sujet suscite beaucoup d'intérêt. Gougouche était une grande star de la pop et de la variété en Iran, une carrière interrompue par la révolution de 1979. Elle décide de rester dans son pays qu'elle quittera finalement pour les États-Unis en 2000. Elle est toujours très populaire dans son pays d'origine. Cela a suscité un débat, ce qui est en fait très important. Beaucoup ont écrit que cela avait changé leur vie. Les commentaires que nous avons lus, les messages que nous avons reçus depuis la sortie de la vidéo montrent que cela a été la première étape vers un changement. Parce qu'avant ça, c'était simplement un sujet dont on ne parlait pas. Ou si on en parlait, c'était toujours en mal, comme quelque chose d'amoral. C'était une maladie, il fallait se faire soigner. On était puni jusqu'à la peine de mort. Mais désormais, la discussion est sur un tout autre niveau. C'est la première étape grâce à cette vidéo. Gougouche se produit en Europe et aux États-Unis devant des salles combles où elle défend dans ses chansons l'ouverture et la tolérance.